Bonjour, mon nom est Gabrielle Junot. Je suis orthopédagogue à la clinique d'orthopédagogie L'Écriteau. Aujourd'hui, je vous présente le jeu du prince de mots tordus. C'est un jeu qui s'adresse à des enfants de 6 ans et plus. On peut y jouer de 2 à 4 joueurs et les parties sont d'une durée d'environ 15 minutes. Ce jeu permet de travailler le vocabulaire, l'accès lexical ainsi que la vitesse d'exécution. Quand on ouvre la boîte, nous avons la planche de jeu, les cartes de questions, les cartes l'espoir qui vont servir pour accumuler les points, sablier, un dé rond, qui est assez rare, la petite figurine, et on doit assembler le château sur la planche de jeu. En endroit, ça va être mieux. Voilà, voilà. Et voilà. Donc, nous avons le château, la planche de jeu, le sablier, le dé, les cartes et la figurine. Donc, comment on joue au jeu du prince de mots tordus? C'est très simple. Nous avons les questions et nous avons les cartes l'espoir. Chaque joueur, à tour de rôle, doit prendre le dé, placer le dé dans le trou qui se trouve au-dessus du château. Le dé va sortir par une des extrémités. Donc, nous avons quatre extrémités. La première s'appelle le jeu des syllabes. Nous avons le jeu des rimes. Ensuite, le jeu des mots et le jeu des initiales. Donc, par exemple, ici, mon dé est sorti par le jeu des mots et j'ai obtenu le chiffre 3. Je vais donc partir de la case départ qui est juste ici et avancer de 3 le prince. 1, 2, 3. J'arrive sur la case à l'école. Cette case va définir la catégorie à laquelle je vais devoir répondre. Donc, si on regarde une question, ici, j'ai obtenu « jeu de mots ». « Jeu de mots » est en vert. On dit donc que je dois trouver 6 mots qui appartiennent à la catégorie de l'école. Donc, crayon, efface, tableau, pupitre, élève, récréation, etc., etc. Donc, le prochain joueur, à son tour, va mettre le dé dans le petit trou. Ici, le dé est sorti par le petit trou des initiales et j'ai obtenu le chiffre 6. Je vais avancer ma figurine de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, j'arrive sur la case géographie. On se rappelle que j'ai obtenu le jeu des initiales. Donc, je dois trouver un mot qui commence par la lettre P et qui est en lien avec la catégorie géographie. Rapidement, comme ça, je vous dirai le Pérou. Donc, ça fonctionne. Donc, nous avons toujours des cartes avec une lettre qui commence par, des cartes de syllabes, donc par exemple ici, contient « re » ou « ré », les cartes de rime, donc « rime avec lapin », et la carte comme tout à l'heure, « trouve 5 mots ». Donc, tout dépendant des catégories sur lesquelles vous allez arriver, vous devrez répondre aux questions. Dans le jeu, il y a un sablier. Vous pouvez l'utiliser ou ne pas l'utiliser, c'est vraiment à votre discrétion. Avec les enfants qui sont un petit peu plus vieux, je suggère de l'utiliser pour donner un défi supplémentaire. Et ceux qui sont plus petits, on enlève le stress du temps. Le but est de s'amuser. J'ai oublié de vous dire que lorsque vous réussissez à répondre aux questions, vous devez piger une carte l'espoir. Ce sont les cartes qui vont vous donner un nombre de points. Donc, à chaque fois que vous réussissez une catégorie, vous pigez la carte et vous obtenez les points. La partie assez drôle du jeu est que vous devez par la suite lire la phrase à voix haute. Donc, le prince habite dans un très beau chapeau. On sait que c'est pas un chapeau, mais un château. Ceci amène aussi les enfants à pratiquer l'accès lexical, la recherche du vocabulaire et trouver le mot qui doit être remplacé. Ici, on dit « château » et non « chapeau ». Donc, on amène l'enfant à se poser des questions et à trouver les mots. Bien sûr, à la fin de la partie, vous allez avoir accumulé un certain nombre de cartes. Par exemple, tout ça ici. Si je calcule mes points, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points.
mon adversaire aura 4 points, j'aurai gagné la partie et c'est terminé. J'ai bien aimé ce jeu car il combine le jeu de société ainsi que le jeu d'apprentissage. De plus, il touche une catégorie que l'on retrouve dans peu de jeux de société, c'est-à-dire enrichir le vocabulaire. Votre enfant pourra se familiariser avec les notions de rimes et de syllabes. J'ai personnellement beaucoup aimé les cartes L'espoir qui permettent de travailler le vocabulaire de façon rigolote. Par exemple ici, en patin à poulette, on va bien plus vite. Bien sûr, c'est en patin à roulette. Allez, c'est parti pour un tour en toiture de course avec le prince. Il ne vous reste qu'à deviner par quel mot remplacer toiture.